Kimia Boboto Bondeko, Ezala, Okati, Mabota, Nabino, fidèles et spectateurs, amis de cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité. To sepeli mingi koko tanabanda kunabino na poko lelo. Pona ko beta biso na bino masolo o Italio Ice Vec Club de Kinshasa. Na bandi boza koe ba eti Vec Club de Kinshasa le dimanche passé. Aoutaki ko beta match ale ya 16e de finale aller match Ezaki soldé par 0 but partout Ezama solo autre beta bisona bino na pokwa lolo trochame bino notamment va extrait ya ba match africain au avec les beta qui pourquoi pas quelques séances entraînement au basaki kuna na kati ya Benin tout simplement parce que le match proprement dit vous excusez bisona pokwa lolo to coacher la bino en mettant to zone une émission spéciale autre ça la le jeudi prochain la 22h Tous les temps, il y a coaché la bino match en boule, on a bouqué bino sur parce que Boebi a watunga kubuka le kutate, tunga okende toujours na sembo. Et si votre demande, si la demande, il y a bande kubele, oyo boko landa biso de par-ci par-là, to sepela ki, nenge bino pe bo sepela ki, tous on sa invité, tous la ki ne la fois passée, a wana plateau, Jean Didier Mabiala Umba. Oyo ndenge za na plateau na biso quand une personne vient pour la première fois tout tika kay a se présenter yemoko et la seconde fois la unième fois et komara biso to présenter invité na biso au tozana na plateau donc ma solo to beta lelo et kozala ngai na ko pesa bita ba question ye a kozongi se la bino bongo ba réponse to sala ba analyse na o Italie match au Vec Club de Kinshasa a beta ki lobby oyo et outi koleka ya dimanche na baluki pa ya invité na biso bonsoir monsieur Jean Didier Umba. Bonsoir. Merci beaucoup. Tu as la bénédiction papale. Merci. Na bandi bande konyonso au Bokolanda biso boza ko se prépare parce que c'est sur votre demande les tozongi si monsieur Jean Didier a na plateau ensemble avec lui to meka ko beta masolo ya match o eleki nini Simba ki nini Simba te qu'est-ce qu'il faut faire pour que erreur o salama ki la fois passée na match passé na match o ko beta ma CGD e ko kabongo ko zonga lisusu te Jean Didier Mabiala na bandi Koyamba on a plateau na po kwa lelo pour la seconde fois eza esengo mingi pe eza sur demande il y a ba téléspectateurs na biso ya Congo bezo télévision ba obaki ke non to zongi son na plateau parce que ba se retrouva ki pe ebele ba senga ki j'ai auto sala ki la fois passée ya ko zonga avec club ya kala bango pe ba ya mena son bo bo za na mwa kimia to zela match beta ma pre match to ko zwata ya ko yamba bino bino pe bo milenge la bo meka ko eba ko tala Vec Club tambo ya reza kana nini ba joani ba makaka bino na Vec Club ainsi de suite donc wana ezali auto solo la ki na bande ko bazali na besoin ba intervenir na lolenge opo intervenir ki mais je crois que vif si je na biso po ko lelo ezali match au Vec Club ba beta ki lobby pe na match o ezako ya deja c'est jeudi mais to le bien nous mingi mingi match ya lobby po ya ngonde za actualité na po ko alilo vous avez eu à suivre les matchs quand même match na tolandaki match tolandai match bien que na ba condition moko assez difficile tolandai match très bien. OK, tolandaki match très bien na ba condition moko un peu difficile mais kolanda match wana ba bilevre mais n'a jamais été parfaite. Il y a toujours des imperfections qu'on doit chercher à perfectionner. Mais tel que vous avez suivi les matchs, qu'est-ce que vous avez constaté pendant les 45 premières minutes? Non, mais je constatais que qu'il y a un manque d'automatisme hein, oui. au niveau de l'équipe. Peut-être que c'est dû à il y a problème au tout en gros, il y a championnat ils ont bêta maté. Bah, automatisme, Penza, ils ont répondu. Parce que les bah, matchs d'entraînement ou les matchs amicaux sont très différents dans les bah, matchs y a compétition. Parce que engagement, ils ont des morotés, motivation, ils ont des morotés. Donc c'est ce qui fait que jusque-là, les bah, joueurs s'adapter à la compétition. La plupart des joueurs aussi, ils ont été en compétition et la Ligue des Champions. Donc c'est ce qui fait que voilà, la première mi-temps, le club s'est recherché encore. Et, mais la deuxième mi-temps, on a vu quand même l'équipe attaquer. D'ailleurs, l'équipe adverse a attaqué Penza Milité la deuxième mi-temps. Mais s'il faudrait refaire dans le match dans l'ensemble de Ningi Bitamaki, qu'est-ce qu'on doit refaire du côté de l'Est avec le club de Kinshasa? Non, avec le club a opposé sérieux problème d'attaque.
Ça, il faut le dire. Je vois la défense qui se corrige quand même. La preuve, c'est que l'équipe Wana a comment ils ont assimé. N'arrivait plus à attaquer, sont allés dans la deuxième mi-temps. Comment ils ont au biseau ben gelé. Gelé parce que bon, mon avis que Bazo Kokate. Le milieu était très bon, milieu du terrain. Défense, ça se corrige, ça commence un peu à se stabiliser, mais on a un problème d'attaque. Parce que une attaque qui ne marque pas dans la compétition, il y a niveau à mon net, il y a Ligue des Champions, c'est un problème. Surtout quand vous avez des possibilités, trop de balles en l'air, ça c'est. Mais quand une attaque ne tourne pas, ça ne veut pas dire que dans le milieu du terrain, les attaquants attaquant passent ou bien les alliés, non, ils ont servi convenablement, mais l'attaque n'arrive pas à faire la différence. Non, c'est lorsque on ne trouve pas le poteau. C'est là le problème avec le club. C'est là le problème avec l'attaque de la SMC. Avec le club, n'a pas de finisseur. Non, on a jusque-là, ou soit c'est un problème de compétition, mais ça va arriver. Ça va arriver. On a de bons joueurs, mais jusque-là, ça ne, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça avec le, parce que avec le club a toujours été réputé comme une équipe dangereuse avec une attaque assez terrible. Avec le club a bon, donc il faut attaque Nézara toujours et bang ça toujours. Merci beaucoup, M. Jean Didier, tous vos ongles là, fidèles téléspectateurs, okay. Amis de cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité, car il faut verre noir, Nabandi, Boti Kolanda, Naboke Bignon, sur notre invité, Jean Didier Mabia, la Umba, Ninge, Aotiko Salaba, analyse, Naena, O Italie, match au Vecle Babeta qui la fois passée, mais Eloko Kosala, moi passé, Vecle joue déjà ce jeudi. Mais sur ton côté, dans la ville, province, à Kinshasa, tout le monde a un drapeau avec le PT. Tout le monde a un drapeau avec le PT. Tout le monde a une section avec le PT active. Qu'est-ce qui se passe au moment où le club est en train de jouer un match qualificatif? Est-ce qu'il faut qu'on garde la position? Il faut qu'on garde la position. Ou il faut aller au-delà. Il y a Oyo, supporters, Bakosa, Lilo. Jean-Didier Mabia, la Umba. Vecle joue un match très capital, un match très décisif. Mais qu'est-ce que vous pouvez demander aux supporters de l'Est Vecle? Hormis votre casquette d'analyste sportif, amoureux du foot, vous êtes avant toute chose Veclebien de naissance. Au PSA qui va révélation, à la fois passée, où il a moussi va Veclebien. Mais nous avons 5 ans, la bande de Roban avait à Bassala pour un match, ils ont obéi à Majedi. Non, mobilisation, hein. Au moins, l'équipe n'est pas traditionnelle en haut. Vers le club, vraiment, ce qui a sentir que le public n'est pas si manaé, il faut attendre jusqu'à la dernière seconde. Au moins, on a vraiment que ti nzombo, il faut bimagar. Alors, nous sommes essayés que tout le monde, le public, il faut pas à la cima. Si le public, il faut à la cima, tant que nous sommes en train de nzombo abimi. Mais la fois passée, ah, tu couvras parce qu'ils ont moins dans le camp adverse. Hein? Ah ben oui, hein, naebi bon. Mais mobilisation a rappelé ma capacité. C'était le tout dernier match avec l'EM d'Afrique. Justement, sur le tali match, on a comprendre que non, mobilisation comme telle les a quittés. C'est comme ça que Tosenga a vraiment mobilisation. Mobilisation, donc il y a public et joue à rôle ma capacité. Pour tour avec le Bwana sur le tondi. Équipe adverse, on a équipe mingi ba mesana ko beta devant 80. Moscou. Moscou sur etondi ba te belé ba joueur belé ba mesana ko beta devant 100 000 personnes te. Devant 100 000 personnes. Donc sera a raté ballon à Liboso. Moscou gangi, c'est fini. Joueur aza déjà démoralisé. Donc c'est important public aza là. Hein? Donc ceux qui jouent avec le club azui, Moscou est l'ennemi. Mais joueur adverse a déjà roulé dans le but, mais le public n'a pas eu bêta balle finalement ou bien n'a pas eu bêta tête. Donc c'est compliqué et compliqué vraiment l'adversaire. Merci beaucoup à vous, M. Jean Didier Mabiala, fidèle spectateur, ami de cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité, car il faut vraiment en abandi. Toko évolué, Nandolenge Oyongana, invité Nangai, n'a invité Nabino parce que Lelo. C'était sur votre demande, mais avant tout,
na kati ya Bozindo po tobito rochango extrait ya match betama ki la fois passé te mais ya kolobezali équipe adverse baza déjà na kin donc ba koma ki na kati ya kin ya bana kin o ba ici c'est Kinshasa bango ba koma ki déjà ça y atterrissage forcé équipe ya AS Vita Club de Kinshasa bango ba koma lelo entre 1h na 2h du matin donc ça va komi na 1h te tout dépend na air ba solo ngwa parce que ba bazaki na Côte d'Ivoire. Ce qui va commencer à 1h, à 2h du matin, parce que vous déjà à là, il faut compter que l'air va y aller. Mardi, ils ont une couleur coupée, mais ça n'a rien. Donc, s'ils doivent s'entraîner, et que vous allez mercredi, pour que jeudi, vous allez déjà na terrain, à bandi, vous allez déjà vous allez 8 ans, il y a qu'on s'est préparé, mais je l'ai toujours dit, et je ne cesserai jamais de le dire, ça sera un match pharmaceutique. Ça sera un match pharmaceutique. Donc, il faut que le véhicule bien se prépare. En conséquence, il est grand temps, na bandi na SM bo zilate que non ba koma. Il est grand temps bo kende déjà dans laboratoire bo se faire examiner bo ta que non toko bela nini. Ezate go malade ali bumu passe, ba pesa ki sa mutu passe. Non, il est grand temps ko kena ba laboratoire se faire examiner ko kota na pharmacie ko somba ba produit pharmaceutique o esengeli po na to biki sa bokono o e ko za la jour wana. Ya ngo bande ko bo kota kana sa mai. Beaucoup de gens en Samaï. Bande au peuple Matakakuna dans la cache à forêt équatoriale. Bosona Bakissimbi. Il est grand temps. Et au côté dans la cache à forêt équatoriale, Bosona Bakissimbi. Bande on a super bande de Bolima en Bobo Sala, Kabanzo Kounion Sobabima. Pour tout coup, tu as vite à Emon en a même pas. Au peuple Kotaka. Nangomba Mangengenge Kolukelungaye, slogan Mama Rose Ngoya. Beaucoup de Mangengenge, Nyon Soana, et Zapona Koluka. Honneur, il y a AS Vekle. Parce que la minute, toi, le jeudi à 15h30, kuna na lola drapeau bande au pepa moko kembo kembo na kembo kuna na lola ba ange ba ko yembela AS Vita Club nzamba obetane kama boko ah c'est parce que wet sanga munguna a les kanzani donc to kozala na ba niveau nyo so ba compartiment nyo so to kota uniquement pour na koluka victoire et qualification to ki ko gagner sans qualification alors to boy biloko a ko gagner sans qualification mais à l'heure actuelle quand un match se joue na score vierge, équipe adverse, ou azo rebeta match retour na mboka, en avance non, ton avantage non. On doit se le dire en face. Même si avant les matchs, la chance est de 50-50, on doit tenir compte de tout ça. Parce que ceux qui vont à Bandibi, avec les fois que ça m'y baille. Ceux qui veulent que tchè, on va zong ici, avec les fois qui s'alissent. Donc il faut toujours avec les à gagner match, on a par un but d'écart pour azala qualifier. Oh, bisoto koloba awa, eza évangile teme, eza nango bosolo. Tous en a besoin, le roi tout puissant Mazembe Anglebert a kweyi, AS Vita Club de Kinshasa, allez, mais avant tout kende, na o etali extrait, ya match moko avec le Toche Labino, na zongeli, monsieur Jean Didier, attend que Congolais, kota la lolenge tout puissant Mazembe Anglebert a kweyi a ki. Et ça la gion dengeni? Non, bon, c'est un regret. Hein? Ma équipe menée le rôle à Mazembe, c'est un regret. Il y a un azolo que problème à championnat, ils ont l'équipe Nabiso, ils ont l'équipe à Congo. Mazembe, je pense que Nakanti, bon, ils ont de façon à banwa que gérer l'équipe, mais je pense que bah j'ai quand même la décision moko très tôt. Parce que bon, champion exaté, entraîneur, on n'a pas eu trop de temps à rota l'équipe, mais ils ont un problème à championnat. Mais peut-être que aussi à niveau na bango, ils ont vraiment minimisé les. Peut-être que l'air présent avait tout mis en place pour qu'il va faire ses résultats bien temps à Mouni. Il était bon, oui. Il a même préparation Libanda, non? Oui, bah, il y a Zambie. Bah, il y a Zambie, comme d'habitude, ils ont joué, bah, beti, bah, match à entraînement. Et puis, bah, match où on a amico, bah, résultat, ils aillent plus ou moins bien. Hein, plus ou moins satisfaisant. Mais compétition, surtout quand vous minimisez l'adversaire. Faire 0-0 à l'extérieur n'est pas synonyme d'une qualification. Ça, c'est clair. Bah, équipe, on a une équipe, ça a comboté. Mazembe qui a joué la finale de la Coupe du Monde, plusieurs fois champion d'Afrique et plusieurs fois champion à l'INAFOOT. On est déjà bah, joueur pour la bango équipe wana ya Uganda même si comme on a une des meilleures équipes il y a des décennies même oui ceux qui même comme on a vipère bon bah au banga venait na bango mais bon
Tant que vipère à Betty venait, c'est compliqué. Hein. Vraiment. C'est compliqué. Un grand merci à vous, mes gens, Didier Mabiala. Mais avant de suivre l'extrait, il y a match au Nazar au Tchelabino. Permettez-moi de vous dire que vous êtes très bien habillé. Merci. Je vous en prie. Alors, Tolanda, extrait. Il y a un match, il y avait Club Libanda Petrozon pour la continuité et la suite de cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité. Ceci est pour vous, la locomotive puissante qui charrie plusieurs wagons excellence à Ben Machine, l'homme au cheval blanc. Merci. Cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité. Nabanzi Obison Abino Touti Kolanda extrait. Il y a un match amical au Club de Kinshasa à Beta Kikuna na Benin. Il y a un autre au Senga, déjà là-bas supporter. Il y a SV Club, Nabanzi Oyo et Touti Kolobama. Awa na plateau et pas invité Nabiso. Il y a beaucoup à faire quand vous avez suivi ces matchs-là ou l'extrait des matchs que nous venons de vous présenter là. Il y a trop de déchets au niveau de l'attaque de l'SV Club de Kinshasa. Je crois que le staff technique de l'SV Club est en train de travailler avec ardeur là-dessus pour que na katia compétition, match où il y a beaucoup soit peut-être occasion moko, ceux qui ont vu chance, il y a qu'au propitsang au fin fond, il y a fileté na bandi Moussala Nyon Soto Kosala Awa et Kokende Pamba. C'est pour cela qu'il faut avoir des bons finisseurs, des tueurs. La bande du Monaco match au Liverpool à Beta Kilobi na Manchester City, il suffisait seulement des occasions, Moko raté, Yami Balé, Mossala a propulsé ça qui est au fin fond, il y a filé. Donc on a besoin des finisseurs pour que ASV Club de Kinshasa a espéré pour que Nemusika, tout puissant Mazembe Englebert, a déjà Libanda Yamasolo, seule équipe
7 clubs congolais, Oyo et Tikali, Nakati à Champions League, ou bien à championnat, to compétition, il y a première zone, et Zali AS avec le Kinshasa. Donc, ce qui fait club, à Salipe Bouzoba, Moukolo a Jedi, à Kolanda, tout puissant Mazembe Anglebert, il y a un autre au sein à la bande de Konyonso. Pour tout ça, Bouzoba ou Mazembe Salite, le club doit prendre les choses au sérieux. Lelo, il n'y a plus de grandes nations de foot, il n'y a plus de petites équipes au niveau de football. Donc, nation Nyonso, ils en ont besoin, balobelango. Équipe Nyonso, ils en ont besoin, balobelango. Tout puissant, Mazembe Anglebert, ils ont parmi le meilleur club il y a des décennies. Oh, mais équipe Nini, et le Moli tout puissant, Mazembe Anglebert, oui, mais c'est vraiment le Banda Maso. On a bandi, bandé qu'on a vu son Nyonso, c'est tout staff technique, ASV Club. Match au Babeta qui Libanda est servi Bango dans les leçons pour Nahouye, bah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que très prochainement, c'est jeudi déjà bah, avec Libyen, Babima, Yako Sepeana Katia Stade Marty de la Pentecôte. Alors, Kouloutou, Jean-Didier Mabiala Umba, to Zongelio Lissousou, to Tikolanda et Longonga Nayo, match au avec le Babeta qui un match amical. Na extrait au to Chiwana, Nini O Monique sur le plan tactique. Au sein de l'ESV Club, il faut encore beaucoup travailler là-dessus. Non, je reviens à ce que je dis tout à l'heure, c'est que attaque avec club, ils ont posé problème. Ils ont posé bah, sérieux problème. Sur le nombre de déchets, d'occasions ratées, ils ont énorme. Pour une équipe, ils ont bêta Ligue des Champions. Ils ont énorme, ils ont trop. Donc, voilà. Il faut vraiment que le coach a travaillé pendant sur cette attaque de Vecle. Il y a trop de déchets. Ça pose vraiment problème. Merci beaucoup. Il y a trop de déchets. Ça pose vraiment problème. Nabandi, Bandeko Bokolanda, Bissonanda, plus particulièrement à mon boss, Maître Christian Bossembi, la sagesse et l'intelligence de la presse africaine. Biska Okolandangai, au comprendre que non. Oyo, et Sengamaki Kosalema, Yango et Salame. Et à mon directeur de programme, Jérémy Béton, armé blindé. Parce que les autres font la biso singate, soto font l'inzela singa awa, et que ça la gemoué to évolué dans l'esprit et l'émission les lots, et que simbate. On a besoin de 30 minutes supplémentaires pour permettre à tous ceux qui veulent émettre leur point de vue, leur suggestion, leur réaction, pas aujourd'hui, très prochainement, peut-être dans la prochaine émission la biso, to koku ko singa, déjà n'est-ce que to singe déjà. Pendant l'émission, que Baba qui s'est habillé sur quelques minutes supplémentaires pour la permettre à Nabino de émettre le point de vue Nabino, la suggestion Nabino, topé, la réaction Nabino, Nandenge et Lungobani. Alors, on a pourquoi aller vers 1h ou 2h du matin vers le club de Kinshasa et quoi atterrir dans Katiamboka. Ce qui va atterrir, l'équipe adverse, Baza déjà à un terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on va précéder à Kibiso. C'est sûr et certain, si vous avez connaissance à terrain, c'est sûr et certain, bah on va déjà s'entraîner. Alors, Jean-Didier Mabiala Umba, une équipe, oui, comme il est là, il y a une heure. Est-ce que possibilité de s'entraîner oui, hein, s'entraîner, bah, comme ça, va comme il est à 1h, 2h du matin, bah, on attend un repos. Il faut, l'après-midi, bah, il faut bah, s'entraîner. C'est possible parce que Bazan a tant mérité. Jeudi déjà, il faut bêta. Mais bon, la séance en haut, vous avez un dernier na vous avez par exemple mercredi. Parce que l'équipe est tout le bas mardi. Donc, les après-midi déjà, il faut s'entraîner. Exercice moko peut-être léger. Après, le mercredi, il faut réglage tactique. Parce que je dis, il faut pas bêta. Sauf après, ici, on lobby va s'entraîner, mais après des amabé. Non. Bazan a tenté. Bazan a tenté parce qu'il faut tout bêta, je dis. Non, équipe, il y a perdre toute une journée pour une équipe qui joue une compétition aussi importante. Non, Bazan a tenté au paiement. Bazan a tenté au paiement. Donc, avant midi pour se reposer, après midi, ils ont pour l'entraînement. Parce qu'il faut que le coach a corrigé déjà Babilo Moussousou. Parce que jouer sur le gazon synthétique, na gazon naturel, il y a un démoroté. Quand on a un gazon naturel, on a un gazon synthétique.
Moni, basali entraînement mingi na gazon naturel, ah ouais, il faut ba reprendre ndenga obeta na gazon synthétique. C'est vrai que ba mesana na ngo, mais bon, basali quand même bon ba jour ebele ba beti na gazon synthétique te. Tout ça, il faut que l'entraîneur aille ba ko fixer ba joueur sur rôle à chacun. Je pense que lobby déjà et mercredi, il faut mercredi déjà équipe adverse. Il faut apprendre connaissance à terrain. Donc, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il faut vraiment que tu mettes en goût à profit pour essayer de beaucoup ça la moi bah fixation ou ceci. Mais vous entendrez parler naoki au lobby. Mais de l'autre côté, tant au lobby au sein bah éloge mingi la défense il y avait club par rapport il y a attaque avec club. Mais au moins, si j'ai une bonne mémoire, dans le match de avec club à Zobeta, Azako a encaissé au moins un but. Avec club est allé jouer à Braza, il a encaissé, il a encaissé un but facilement. Avec Obeta Awa, il a encore encaissé. Avec Obeta un match amical, Kuna, la même chose. Au moins, même au niveau, il y a défense, il y a S avec club, il y a beaucoup à refaire là-bas. Non, en fait, Naloba qui mention spéciale pour Nanga, c'est plus le milieu du terrain. Milieu oui. du terrain, je pense que milieu du terrain est acquis plus ou moins stable. Milieu du terrain avec club. Défense, Naloba qui est comique aussi stabilisé. Ok. Pas encore. C'est pas encore ça pour une compétition de haut niveau, mais ça commence déjà à se stabiliser. Défense et avec club. Bon. L'attaque, elles ont posé vraiment problème. Défense, toi, il y a un problème dans la défense, dans l'attaque. Je l'ai dit. Toi, il y a un problème dans la défense, dans l'attaque. Parce que la défense, elles ont encaissé toujours. Elles ont encaissé toujours. Mais je vois que, et comme qu'on s'est stabilisé, moi, mouké. Mais attaque, elles ont raté trop. Trop. Bah, occasion nette. Mais elles ont réussi. Or, tu venais de le dire, match Moussous, vous n'avez qu'une seule occasion. Bochang, on a fileté, bon, Boleli. Un grand merci à vous, un grand merci également à tous ceux qui sont branchés en CNET, Momasi Congo Bezo Télévision. Nabandi, Tolobipe Moua Mingi, Tolanda extrait. Nabite Nemi Liwata, Tolanda interview, il y a Jacques Dromoa pour quelques minutes, ou bien Tolanda extrait, il y a match avec les Boussouzou, Kuna na Benin. Oza ou proposer, Bisso Tobanda Nangope, Torozon Apo, na quoi enrichir, émission na Bisso Apo, quoi lelo.
Voilà, fidèles spectateurs, amis de cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité. Pas trop de commentaires à faire là-dessus. Bisson a mis notre tic Hollanda match Moussousou avec les Babetaki. Le premier match a été soldé par un but partout et le second match a été soldé par un score vierge. Score vierge, on est au même Makambo. Et même là, qui m'a basé mes Makambo. Avec les parties au Beta Lissousou, match amical, score vierge. A Beti Lissousou, match. La compétition proprement dite, la Champions League africaine, Batsali sous ce score vierge. Nabandi, Oyonga na Otomoni, Soro Talaki na Misu, Obiso Totali, Bomoni Kenon, trop dératé, Oyo Messejan Didier Mabiala, Umba Aouti Koloba Awa. Je ne sais pas, quelque part, peut-être que Zaki match, match Moro sans pharmacie, mais Nako Senga na ba sectionnaire, il est grand temps. Totika Kosala qui triomphalisme. Totika qui moukade, kozalaba moukades, hein? Totika kozalaba fazilet. Il est grand temps, bana veya tout. Bosala o bosalaka. Ba kisimbi kuna na samai, bazako ganga. Bilima kuna na kacha zamba, bazako ganga. Banzoko kuna na zamba ya bandu ndupe bako ganga. Alors nga na oto kosala nini? Il est grand temps, toluka victoire, na qualification ya SV Club. Et que ça la penza, et le Komoro ya bien ma casse et koleka. Alors, Kouloutou, Jean Didier Mabiala, Touti Kolanda Ngaï Nayo, second match, ya SV Club et Kinshasa, je ne sais pas, point de vie Nayo, na match à Liboso Totali, na match à Mibale Touti Kotala, point de vie Nayo Zane. Match entraînement, surtout ça, les total et analyse. Mm. Analyse, on est en démon un match auto béti à la compétition. Et ça, quand on est mort, on a les bah, mêmes erreurs, bah, même failles, ils ont continué. Ok, entraîneur, il faut améka, à corriger. C'est ça, même physionomie. Bah, match, ils ont un match entraînement, ils ont un match, match à compétition, au moins que ils ont même physionomie. Donc ils ont pensé problème au que entraîneur il faut corriger. Donc ben oui, que match balle betamara na terrain pas pédi premier balle betamara na terrain dans le bas toujours. Donc il faut que le joueur soit concentré bazo betana ki ça mais au bah yepé baza mibali lokola bango. Donc ils doivent vraiment mouiller les maillots. Je veux que bah joueur baza pensa Va se libérer et va s'exprimer correctement. Bazala d'abord très concentré parce que dans un match à Coupe d'Afrique, il faut Bazala concentrer pour que Bazala bon résultat. Merci, mais ce qui est fait, il faut savoir effacer un passé. Quand il est sombre, on a dit oh, Toti Kolandana, c'est un passé sombre, il faut tout beau. Mais au Ezoko ya lobby, ce qui reste à faire est plus dur et plus important par rapport à ce qui est déjà fait. Qu'est-ce qui reste à faire? C'est la victoire. Qu'est-ce qui reste à faire? C'est la qualification. Naebike, tant que vous avez et na bureau, face au titre tout droit na bureau, au Yelibiso, tout ça, interview, M. Tourochana Sima Awa, au Torotik et la Bandeko, Batika la Kota la Ron, et ça, na Oyo, au Bima qui n'a bureau, et Bandeko Tungisa, on a Kati, tout ça, ici, tout le monde a pourquoi aller. Nini Penza, Oyo, on a quoi ça va avec lui, tant que vous avez un bureau, bien non, na qui est dans la cathédrale Saint-Pierre. Nagekolia, comme il ne parle très cher Saint-Père Papi dit, premier Mika, il nous a les motivateurs de tous les motivés, le vainqueur de tous les dangers. Ni ne va pas tout mis sur Katina. Non, je pense que tout n'est pas question, Nyoso. Vous êtes très professionnel. Depuis longtemps, Naebio, vous êtes toujours professionnel. Merci beaucoup. Oui, bah, la question d'engue opposaka, vous êtes un peu. Vous êtes un peu. La bah, question Nyoso est quoi que la actualité. Alors, mais seulement, et là, on a Senga avec le bien, c'est mobilisé. C'est mobilisé parce que n'a eu que mobilisation et qu'on s'en avec le. Mais avec le va se qualifier. Avec le va se qualifier. Mais mobilisation et que ça peut être important. Important pour na, juste motiver le joueur. Bah mouiller vraiment maillot. Parce que tant que le joueur a un peu supporter à ton ici stade, Azo mon apoua ou en charge ou en aïe. Mouya Kawayemba. Azo Yemba donc. Moscou et Télémi. Vraiment. Donc,
Air moko vite à changer à non ve ya balula balula oui bi babilo ko ana on a pu match changer voilà. Donc vite à zana pas tradition na air moko donc animation comme en français enfant de veille à bouger donc vite vite ça voilà. Vite la vite donc ça ah oui va toi là ne sont donc on va comprendre ah mais ton image était bien en bouquet, mais pas mais ces gens d'idées, moi, bien à la Oumba. C'est là pour la suffisance que vous êtes vraiment avec les biens. N'habitez pas la catégorie parce que tu as un sentiment, pour transmettre un sentiment, ou électriser. Platon a même Némi, Liwata, Liwata, Némi, Kuna, la régie, Babi, Liboko, Moko, Moutoumoro, Massa, Moussala, 10 personnes. Coup de chapeau à toi, Némi, Liwata, Liwata, Némi. Toi, évoluer, Koulou, tout genre d'idées, ma bien à la Oumba. Non, mais mobilisation de Nazaro, le Baeza, Penza, Eko Sunga Vita, avec le club Makassi, Penza, jeudi, auto Beta. Parce que bon, bah joueur peut, il faut dire que bah mon public n'a pas encore là. Bah où met les kuna place bah Kendaki, bah se préparer kuna, bah petit match. Mais maintenant, bah on a besoin d'appui à public n'a pas. C'est tout ce que je peux demander. Mais il faut bah encadrement peut à bah joueur et ça là bien qu'il soit très concentré. L'entraîneur doit rappeler ça aux joueurs. Parce que Mingi et Rakan avec le T, même mon équipe nationale, bah minimisera trop bah match. Ah non, bah ça rien, d'ailleurs, t'as là, bon, écoute, non, non. Football laisse évoluer, donc ils doivent rester concentrés. Et bah, déjà, la bah, première, bah, 15 premières minutes, déjà, le club doit marquer. Et aux bien. Mais bon, attaché à 15 premières minutes, je vois pas cette équipe éliminer le club. Vraiment. Un grand merci à vous, un grand merci Nabandeko Nyonso, Obozala qui nabiso depuis les débuts. Tokomi na souka émission tétorotique et labino interview auto sala qui na Jacques Dromoi oye papé saki makanisine azamongo avec te bien et on a kaza na plateau na kulu tujide mabiala na poko alelo mais il s'est fait que il s'est esquisé avec au moins je peux donner mon avis. Na bandeko balanda ka émission parce que il faut qu'il n'a pas preuve à l'appui na téléphone na vie. J'ai des familles au baza kuna na Canada ba onde ko landangai ya ona tala kikage non ba yebi ke lundi ngape na le kaka le roi lundi a lelo et sali ke ngala le kate na sa ne fils ke interview tant on peut ba landa émission ba yeba ke non ngape na pesa ki point de vie na ngai na au Italie émission a biso poko elo mais bande ko bolanda so na Canada na pesa no ambote be bande ko bolanda so pe kuna na Grande Bretagne. Là, je vois Jean-Luc Ilunga, Babi Ngeli Ngeli, na pesi ba mbote belé, na pesi mbote belé pa ya fiston Mario bande européen bo landa biso na France, au tinde la rapso ba image na bino ndenge bo landa biso très content de cœur avec vous bande bo landa biso de partout. Tina États-Unis kuna Albert Mouya ya mutoke. Yo peto pesi ba mbote belé parce que bande ko Lubumbashi ba mba lo ba ki jusque là oyandoko, ba ko kisaka te mais Rosala Roboni, tous en apprenant à conserver peuple congolais, mais qu'on va bien en aïe l'arbin des opprimés. Donc, allez-y comprendre quelque chose. En tout cas, merci Nabino pour comprendre que non, pour vous les opprimés, en allant en allant à Koulou, toujours d'idée, ma bien la Oumba, presque à la fin de notre émission, on a pour quoi les lots, Torotik et la interview, Yandego, Bandeko, Barotik à la Balanda Yango, Nangana Zoka, votre mot de la fin pour l'émission de ce soir. Non, merci beaucoup. Émission et l'équipe, comme d'habitude, hein, avec professionnalisme. Et toujours une très très belle émission, avec des questions posées d'une manière très professionnelle. Ça donc je pense que tu vas continuer comme ça. Et à Gantik, émission en haut, et qu'on soit de plus en plus d'adhérents, et que tout va au banda encore, parce que, de façon, na plateau, na magabnyos, so vraiment, je sens que c'est une émission qui a de l'avenir. Merci beaucoup à vous, merci à la grande équipe, ya Congo Bezo Télévision, là, je vois Némi Liwata, je vois Omo, je vois tout le monde, au bout de la Razarana Bisso, mais, na poko lewe salama kike, Némi Liwata, mutumoko mabokwa 10 personnes, asala moussa nenge longo bani, weyando ko walobi, ce qui est passé, est passé. Na bosa ni pete Jérémy Tukadiao, Tukadiao yaba Jérémy babi, un vrai veclibien, na bande kona biso ya le défenseur de l'ESV Club, kuna yepa ya Marcelin Mukuba, bande kona la section administration publique ya veclub, bozu déjà section foot, mais, masolo yko tambola, nenge to yoka na raté. Bande qu'on soit pas une parcelle sans ASV Club et pas Ami Melenge, ça, réveillez-vous. Bande qu'on a bissou, il y a. Babenga, on a bande qu'on soit Kuna,
groupe de réflexion, balobi section, abatwa boanya ya maele bola muka. Tous en a besoin. Toutes les sections étaient les mains. Parce que match important, match capital, et qu'au bête à ma CGD, mobilisation zéro. Bolandi, Jean-Didier Mabiala, Oumba Nenga Lobby. Or, la fois passée, nous avons assisté Marcelin Mukuba, Oyasaki Carnaval, Banda Matongé, Ti, Nakinkole. Mais les lois commis, Baromé Kobundisa, Nandenge Bokobundisa, Obino Bolukara, entre vous les vécu bien, et Bika Bino, mais le roi est Bobundisier. Mais bon, ça, là-bas, Carnaval, non? Bon, ça, là-bas, événement, vous remarquez, là, c'est non? Tous en Mkwalobi mardi, tous en mercredi, réveillez la ville de Kinshasa. Parce que depuis Marcelin Salaki Carnaval, ça fait deux semaines. Et le roman de Salaman, tous en a besoin de Moutounions, à Tchaliboko, à Katiapat, pour construire cette grande édifice qui est la SV Club de Kinshasa. Toti Kelibino, Bolanda extrait, il y a interview au Tosagina Jacques Dromois, Toko Tanabiso Nabino le jeudi prochain. Si tout va bien, Toko Zalanabino, na jeudi wana pour une émission spéciale. Mais entre-temps, cette émission passe sur notre page. C'est notre chaîne YouTube, il y a Congo Bezo Télévision, sur le côté Kuna, autant de fois que vous voulez. Un grand merci à mon boss, maître Christian Bossembe, pourquoi pas à notre dipro, Jérémy Maïkadi, béton armé blindé, la PC Bande Gognon sur Congo Bezo Télévision. Tout le monde, jeudi prochain, à la même heure. Quant à moi, je vous dis bye bye, restez toujours branchés sur Congo Bezo. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Santon. Merci beaucoup pour cette question. De prime abord, on réalise que, ou on constate que, avec le Bailly, beaucoup de difficultés à la première mi-temps. Je pense que cette difficulté est due au sens, essentiellement à l'état de ces terrains qui avaient les gazons naturels. Et l'équipe n'étant pas habituée à jouer sur un terrain pareil, c'est tout à fait normal qu'on puisse assister à ces petits tâtonnements tels que nous l'avons vu tous. Mais il faut dire que le terrain valait d'autant plus que, valait d'autant plus pour les autres aussi, n'est-ce pas? Donc au-delà du terrain, qu'on peut considérer comme une excuse, il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui va en compétition sans la compétition dans les jambes, pour ne pas dire, sans les championnats dans les jambes. Et ça, c'est un handicap majeur qui risque de peser lourd. Il est vrai qu'on a essayé de compenser cet handicap par certains matchs amicaux, mais nous ne le dirons jamais assez que les matchs amicaux ne remplacent pas les matchs de compétition. Donc ça, c'était et c'est aussi un handicap majeur. Nous avons vu comment est-ce que l'un des clubs congolais a été sorti, pour ne pas dire chassé, dès la 16e de finale, n'est-ce pas? Donc il est grand temps pour que notre fédération fasse de son mieux afin que ce championnat puisse redémarrer. Parce que si nous nous prenons garde, nous risquerons, à l'allure où vont les choses, de perdre pratiquement tous nos clubs. Non pas parce que ces derniers manquent de joueurs de qualité, mais tout simplement parce que ces joueurs-là ne sont pas en jambes. Ces joueurs-là manquent la compétition. Ces joueurs-là manquent du rythme. C'est à travers les matchs de compétition que les entraîneurs arrivent à corriger certaines lacunes, à changer, peut-être à adapter les systèmes de jeu par rapport à la qualité des joueurs qu'ils ont. Mais écoutez, en l'absence de cet exercice-là, il devient quasiment difficile pour ces entraîneurs-là d'évaluer le vrai niveau de leurs équipes. Et nous sommes en train d'en payer les prix. Et le premier à en payer, c'est le tout-puissant Mazembe. Malheureusement, une équipe qui a toujours défendu les couleurs nationales. Mais voilà que par la suite de notre désorganisation, elle a été remerciée par une équipe de seconde zone, une équipe sans nom. Une équipe anonyme. Mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent lorsque on ne veut pas comprendre qu'il faut se mettre au diapason des autres nations. Nous sommes toujours les derniers, sur tous les plans d'ailleurs, n'est-ce pas? En dépit des qualités, des talents que nous regorgeons, mais vous voyez, la désorganisation est en train de nous coller à la peau.
Et nous sommes en train de perdre de plus en plus nos plumes. Et si nous ne prenons garde demain, nous risquerons de perdre les 4 places qu'on nous a réservées par la compétition d'Afrique. Donc, il est grand temps que l'organisateur du championnat national, pour ne pas dire la Fédération congolaise de football, puisse prendre les taureaux par les cornes et organiser le championnat. Ne nous voilons pas la face aujourd'hui. C'est une évidence. Le Congo n'a pas une compagnie aérienne. Au vu de l'étendue de ces pays, nous ne pouvons pas continuer avec le même format des championnats. C'est aberrant. C'est inadmissible. N'est-ce pas? Il va falloir revoir la manière de travailler parce que au vu de la situation qui est la nôtre, il est plus que temps qu'on revoie la formule de ces championnats. Sinon, nous irons des reports en report. On nous a dit que le championnat avait commencé. Mais depuis que ces championnats ont commencé, combien de matchs nos équipes ont déjà joué? Combien de matchs? Ce n'est pas parce que les équipes ne veulent pas jouer, mais parce qu'il n'y a pas de moyens de transport. Vous ne pouvez pas te déplacer d'un coin vers un autre par bus. Hein? Nous n'avons pas de train, vous le savez. Et nos routes sont dans quel état? Bref, il n'y a que... Mais nous n'avons pas de choix, il faut savoir s'adapter aux situations. Il faut se comporter comme des caméléons. Un caméléon, quand il arrive dans un endroit et il constate que la couleur est verte, il prend cette couleur. Pourquoi nous voulons garder notre couleur alors que la couleur a déjà changé sur le terrain? Donc, on doit s'adapter à cette situation pour permettre à notre championnat de commencer et permettre à nos clubs d'avoir la compétition dans les jambes. Sinon, ce qui est arrivé à Mazembe arrivera sûrement aux autres clubs restants. Bien sûr, vous le dites, les chances sont intactes. Et pour V Club et pour cette équipe-là. Nous disons que toutes les deux équipes ont 50% des chances. 50-50. Le match aller s'est terminé par un score vierge, comme vous le savez tous. C'est un score qu'on appelle score piège, et surtout pour l'équipe qui reçoit. Parce qu'il suffit d'un match nul avec but pour que vous soyez éliminé. Pas nécessairement. L'exemple de Mazembe est là. Pourquoi vous voulez aller loin? Mazembe a fait le même score en Ouganda. 0 but partout. On a toujours préféré faire un score nul, mais avec but. C'est plus avantageux que de faire un score nul sans but. Et parce qu'à ce moment-là, l'équipe adverse qui arrive va se dire que j'ai toutes mes chances. Il suffit de commencer à marquer pour que nous mettons en difficulté l'équipe qui reçoit. Et nous allons croire que ça ne sera pas le cas pour la Super Club. Il va falloir que nous soyons préparés mentalement et psychologiquement. Même s'ils ils arriveraient à nous marquer le premier. Ça peut arriver, hein. Parce qu'un match de football demeure un match de football. Nous ne savons pas qui peut commencer le premier. Mais il peut y arriver. C'est une hypothèse à ne pas exclure. Il peut y arriver qu'il nous marque le premier. Mais il va falloir que l'équipe soit forte mentalement pour essayer de revenir au score et marquer le but de la qualification. Donc, nous devons nous préparer à tous les cas de figure. Nous devons nous préparer à tous les cas de figure. Mais nous pouvons nous faciliter le match en marquant le premier et en tuant le match. C'est l'hypothèse la plus idéale pour nous. Mais pour y arriver, il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. Eh bien, comme j'ai dit, il faut prendre ces matchs-là avec beaucoup de prudence. Il ne faut pas se jeter dans, comme on dit, dans la mer. Hein? Il ne faut pas se jeter d'emblée dans la mer tout en se disant que je ne vais pas me mouiller. Sachez, quand vous jetez dans la mer, il est évident que vous allez vous mouiller. Donc, il faut en tenir compte. Il faut se dire que nous recevons, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Nous devons prendre des dispositions pour que le pire ne nous arrive pas. Et pour que le pire ne nous arrive pas, nous devons prendre les coraux par les cornes, comme on dit. Nous devons être les premiers à marquer. N'est-ce pas? Le premier à marquer et tuer le match. Si nous arrivons à avoir 2, 3, 4 occasions, il faut pas que nous les gaspillons. Il faut qu'on arrive, qu'on soit, comme on dit, chirurgical
dans tout ce que nous allons faire pour que cette équipe-là puisse, comme nous disons, se dire, mais tiens, je suis venu dans un pays, dans un stade où tout est hostile pour moi. Rien ne va pour moi. Mais si d'emblée, on laisse à cette équipe-là l'occasion de nous marquer la première, nous serons compliqué la tâche pour rien. Donc, les entraîneurs doivent savoir que les matchs restent ouverts. Les chances de se qualifier sont de 50-50. 50 pour nous et 50 pour cette équipe-là. Mais comme nous recevons cette équipe-là, eh bien, nous devons prendre les dispositions et surtout compter sur les 12e hommes. C'est là où j'en appelle. J'en appelle à l'appui des supporters, des vrais qui viendront ces jours-là comme un 12e homme afin d'appuyer, alors appuyer cette équipe-là, même s'il arrivait, c'est une hypothèse. Lorsque vous analysez un problème, vous devez émettre toutes les hypothèses, envisager toutes les hypothèses possibles. Même les hypothèses les plus pessimistes, c'est dire, mais tiens, nous arrivons au stade et ils sont les premiers à nous marquer le but. Comment nous réagissons? Nous n'allons pas baisser les bras pour autant. Nous devons nous dire, mais tiens, ils ont marqué le premier. Et nous avons la capacité d'égaliser et d'avoir la qualification. Et c'est possible, mais comme nous disons, tout se joue dans la tête, le mental. Donc on doit préparer notre équipe à un mental de la gagne. On va se dire que nous sommes venus pour avoir la qualification. Et ça, c'est un travail psychologique. Un travail psychologique que l'entraîneur devrait abattre et inculquer dans la tête de nos joueurs. Ça veut dire qu'ici, là, nous sommes chez nous. Nous devons arracher la qualification. Nous n'avons pas de choix. Ici, c'est Kinshasa. La prudence. Il faudra leur conseiller de la prudence. Il faudra se dire que cette équipe ne viendra pas pour jouer à 10 derrière. Cette équipe sait très bien que un seul but marqué à l'extérieur va peser sur la balance de la qualification. Un seul. Alors, notre entraîneur doit tactiquement préparer son équipe à éviter d'encaisser la première. Je dis bien, l'entraîneur doit préparer cette équipe à ne pas encaisser la première, parce que si nous encaissons la première, ça va jouer sur notre mental. Et ça va redonner de la confiance à cette équipe-là. Cette équipe peut se dire, mais tiens, si nous avons marqué un but, ça veut dire que nous avons la capacité d'en marquer un deuxième. Ne dit-on pas toujours que jamais un sans deux, n'est-ce pas? Alors, si on en arrivait là, soyez-en sûr que mentalement, nous serons atteints. Alors, nous devons éviter qu'on arrive à ces cas de figure. Il faut noter que ces cas de figure existent. Ne l'oubliez pas. Ne pensez pas que ces cas de figure n'existent pas. Donc nous devons nous dire, nous vécu bien, et surtout au staff. C'est là que je m'adresse directement au staff technique. Je sais que ce sont des personnes compétentes, n'est-ce pas? Qui savent, qui ont de l'expérience. Ils savent que ce genre de match-là se joue sur un petit rien. Je dis bien, sur un petit rien. Il suffit qu'on vous plombe votre mental, parce que vous avez encaissé un premier, un deuxième but, pour que le match devienne compliqué et difficile à gagner. Donc, il faut nous éviter ces cas de figure. J'ai dit bien, il faut nous éviter ces cas de figure. Si on nous évite ces cas de figure, je suis convaincu qu'on peut se faciliter la tâche et se qualifier haut la main. C'est déjà le jeudi, il ne nous reste plus que 3 jours. Mais moi, je pense que c'est le moment pour les sectionnaires de démontrer de quoi ils sont capables. Ils ne sont pas sectionnaires pour rien. Ils ne sont pas sectionnaires pour rien. Il ne faut pas laisser à Marcelin Moukouba faire un travail, hein, qui lui attire de la jalousie aujourd'hui. Jetez-vous aussi dans l'eau, comme Marcelin Moukouba, c'est très important. À se joigner Marcelin Moukouba pour abattre ce travail-là, mobiliser davantage les supporters pour l'intérêt des clubs. Vous n'allez pas mobiliser le supporters pour l'intérêt d'un individu, d'une personne ou d'une personne. Nous mobilisons les supporters pour l'intérêt de notre couleur, qui est le vert et noir. C'est très important. Voilà, c'est l'occasion donnée
aux sectionnaires de démontrer de quoi ils sont capables. La ville est en train de s'endormir, nous sommes lundi. Il faudra déjà que deux mardis, qu'on sente que la ville est en train de bouillonner, qu'on sente que Vecreb va jouer ses jeux ici et que c'est une question de vie ou de mort. Hein? Et ça doit venir des supporters. Et pour que les supporters soient mobilisés, ils ont des responsables, ils ont des sectionnaires qui sont connus. Ils doivent faire leur boulot. Merci beaucoup, Santo, pour l'occasion que vous m'avez donnée de m'adresser directement aux joueurs, au staff technique d'un côté, mais aussi aux supporters de l'autre. Mon dernier mot va aller droit vers les supporters. Il est vrai que le job, le boulot doit être abattu, doit être fait par le joueur, par le staff technique. Mais n'oublions pas que nous, supporters, nous demeurons, nous restons les 12e hommes. Ça veut dire quoi? Nous devons, comme on dit, chauffer la marmite. On a vu Paris jouer hier contre Marseille. Vous avez vu comment est-ce que les supporters ont conduit Paris vers la victoire, quand bien le match était difficile. Donc, nous devons nous dire que notre match ne sera pas facile. Celui qui pense que le match sera facile est en train de se foutre les doigts dans l'œil. Le match sera difficile et ça sera âprement disputé. Et maintenant, c'est à nous de démontrer que nous sommes des guerriers. Nous sommes une équipe appelée à jouer le premier plan, le premier rôle en Afrique. Et pour ce faire, nous devons accompagner notre équipe, nous devons l'appuyer, nous devons faire en sorte que ces jours-là, qu'on sente que Vecreb reste mon conduit à terre. Ah ben écoute, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, un match de football nous réserve toujours des surprises. Et cette fois-là, ça n'était, je ne dirais pas une surprise, parce que depuis un certain moment, on a vu que Real a pris une ascendance, non pas seulement sur Barcelone, mais sur l'ensemble des clubs européens, n'est-ce pas? Mais nous nous disons que ce n'est qu'une question de temps. Bientôt, là, Barcelone va récupérer sa place, comme tout le monde le sait. Voilà, donc nous félicitons Real pour cette brillante victoire, mais nous disons, nous, Barcelonais, que le moment viendra, nous allons récupérer notre place sur l'échiquier européen. Merci beaucoup, M. Santour. Allô.